Are you talking to me? Il a toutes les qualités, sauf celle de bien s'habiller. Maxime Edard, fashion.fr, ça c'est faux. C'est sûr que c'est faux ça. Enfin, c'est sûr et certain, c'est pas talking to me. Ça pourrait venir de Maxime Edard, mais c'est pas vrai, c'est faux. Maxime me taquine pas mal sur des fois comment je m'habille, mais je pense qu'au fond ça lui plaît bien, donc je pense que c'est juste parce qu'il est, on va dire, il est un petit peu jaloux de ça, je pense aussi. Parce que faux, j'avais raison, c'était pas talking to me. Il n'y a pas de science exacte dans le fait d'être père, mais je pense qu'à l'exception de cette moustache, je me suis plutôt bien débrouillé. Emilien Tamac, Psychologie Magazine. Ça pourrait être vrai, je pense que c'est inventé. Mais il aurait pu le dire. Il n'y avait pas pour moi cette phrase. J'avais raison, c'était faux. Je pense qu'il en pense pas moins. Quand il pose un simple pied sur le terrain, ses coéquipiers deviennent meilleurs. C'est un vrai meneur de jeu. Antoine Dupont, Bein Sport. Bon, ça c'est faux. C'est pas talking to me. Je suis sûr qu'Antoine n'a pas dit ça parce que je pense que c'est plutôt les autres qui disent ça de lui. Donc je pense que c'est faux. J'avais raison, c'était pas talking to me, c'est Zlatan Ibrahimovic qui a dit ça au sujet de Zidane, mais je pense que cette phrase elle est faite pour Antoine. Elle est faite pour Antoine aussi. On a tous envie d'avoir son Mbappé, mais il faut respecter la notion d'équipe et de progression classique chez un jeune joueur. Hugo Mola, Canal Rugby Club. Franchement, c'est des phrases qui pourraient être vraies, ça. Je sais pas si j'ai entendu dire ça, mais ça pourrait être vrai. Allez, je dis vrai. C'est vrai, Hugo l'a dit au Canal Rugby Club, et donc c'est une phrase talking to me, et ouais, bon, c'est vrai. Il veut dire ça parce que je suis quand même plutôt assez jeune et il veut pas trop m'exposer encore à l'environnement professionnel et il essaie de me protéger, il essaie de respecter ma progression. Ma progression qui est quand même encore assez importante et comme je suis jeune, donc il dit ça pour ça. Plus on lui laissera de liberté, plus il sera à l'aise. Ce n'est pas la peine de faire les choses pour lui. Jusqu'ici, il parvient à équilibrer maturité et insouciance. Clément Potrono, France 3. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, je pense. Non, Clément peut dire ça. Je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'il peut dire ça. Donc, c'est faux. Et c'était au sujet de Kylian Mbappé, de Laurent Pagani. Mais je pense que Clément le pense. You talking to me?